Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement ce sera une vidéo assez courte, si je me rends compte au montage que c'est trop long finalement, et ben, j'enlèverai cette partie. Mais je pense que ce sera une vidéo assez courte, je vais vous montrer mes conseils pour rendre une tenue un peu plus stylée. Bon après évidemment c'est mes conseils, donc moi c'est comme ça que je verrai une tenue stylée. Après vous avez peut-être vos petites astuces, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire, comme ça on se partage nos tips, c'est cool. Donc comment ça va se passer, je vais vous montrer une tenue de départ. Un t-shirt blanc, un jean et des chaussures planches. Je vais vous montrer comment je transforme cette tenue que je trouve très basique en une tenue plus stylée. On va voir chaque étape ensemble. Donc moi, à chaque fois que je commence quand je mets un t-shirt, à chaque fois la première chose que je fais, je mets directement une montre. Bon, je dis que je mets directement une montre parce que maintenant j'en ai une, mais avant j'en avais pas. Donc avant j'en mettais pas, mais bon maintenant j'en ai une, donc j'en mets. Voilà. Je trouve que la montre c'est vraiment indispensable. Enfin, j'ai dit ça maintenant encore une fois, c'est parce que maintenant j'en ai une. Bon, je trouve que ça apporte vraiment la petite touche en plus. Après, en général, j'aime bien habiller l'autre poignet aussi, donc je mets un ou deux bracelets. En général, je mets les deux parce que j'aime bien quand il y en a deux qui pendent. Là, c'est les bracelets qu'on m'a quand même acheté, donc c'est un peu spécial. Un bout qui pend là, c'est pas du tout obligé que ce soit des bracelets qui pendent évidemment, enfin vous faites comme vous voulez. Là je vous montre ce que ça donne avec un collier, je trouve que ça fait un peu trop chargé avec le collier, les deux poignets qui sont déjà habillés, plus le cou qui est habillé, je trouve que ça fait trop. Donc en général je mets une montre et un collier, ou une montre et deux bracelets, mais je mets jamais les trois ensemble. Sinon deux bracelets et un collier, enfin vous avez compris. Du coup là je choisis d'habiller seulement les deux poignets et de laisser le cou nu, enfin nu sans accessoires. Et j'aime beaucoup, donc pour le haut c'est tout pour l'instant. Ensuite on passe au bas, donc c'est un jean tout à fait simple. Les skinny d'ailleurs il est un peu sauté, mais bon ça c'était pas trop prévu. Ça donne une raison en plus de le changer parce que j'aime vraiment pas comment il rend. Donc là ce que je fais c'est que je remplace ce jean par un jean troué. Je trouve directement ça fait plus stylé. Bon après c'est mes goûts encore une fois. J'ai un style très simple mais très strict, donc j'aime bien que c'est troué. Et après optionnellement vous pouvez, si vous avez envie, retrousser votre pantalon. Perso j'aime pas trop retrousser. Parce que le plus souvent quand je retrousse, c'est bah ça rend pas du tout bien, ça tombe le plus souvent. Là ça va pas tomber parce que c'est 2 secondes, mais bon, enfin le plus souvent je retrousse pas. Mais c'est beau quand même. Donc au niveau du bas c'est bon, on repasse au haut. Je trouve qu'une tenue est toujours plus stylée avec une veste. C'est pour ça que l'automne c'est ma saison préférée, parce que l'automne c'est la saison des vestes un peu. Donc là je rajoute une veste en jean noir, tout à fait simple. Ce que j'aime beaucoup dans cette veste c'est qu'elle est bien taillée, je trouve, elle tombe bien au niveau de la taille et au niveau des manches c'est parfait. Pour améliorer la tenue, je retrousse les manches. Je trouve que ça fait des avant-bras plus costauds. Ça rend très bien justement parce que aux deux poignets il y a des accessoires. Donc ça fait encore un rappel avec la veste qui est le petit noir. Bon après au niveau de la tête, bon moi vous savez que j'adore les chapeaux, les couvre-chefs et tout ce que vous voulez. Donc je rajoute une casquette. Vous pouvez mettre une casquette, vous pouvez mettre un chapeau, vous pouvez mettre un bonnet aussi. Enfin, c'est pas trop approprié là. Les manches sont retroussées, ça fait une tenue un peu estivale ou automnale, enfin mi-saison. Donc, un bonnet, ça sera un peu trop chaud pour la saison, ça sera un peu bizarre. Mais une casquette ou un chapeau, je trouve que ça rend bien. Et après, si vous voulez, vous pouvez mettre des lunettes. Moi, j'aime bien les lunettes, je trouve que ça fait beau. Ça rend tout aussi bien avec ou sans lunettes. Il y en a qui aiment pas leur tronche avec des lunettes. Moi, j'aime bien ma tête avec des lunettes, donc je mets. Voilà. Donc on a fini la tenue, vous voyez le résultat, moi j'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'on est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux qu'au début. C'est quand même plus stylé, ça fait plus dynamique, ça fait plus personne qui a son style on va dire. Même si c'est quand même très simple au final. Donc c'est totalement mon style, moi je suis quelqu'un de très simple et très strict. Donc je trouve que cette tenue elle fait strict, elle fait décontracte, elle fait... Elle fait bien, j'aime bien. N'hésitez pas à m'indiquer votre avis en commentaire si vous préfériez la première tenue ou la deuxième. Voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo avec des petits conseils vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai un peu repris Twitter maintenant. Si vous avez envie de me suivre, libre à vous. Portez-vous bien. Tchuss !